Mike. C'est beaucoup de bonheur. J'ai encore du mal à réaliser, mais c'est une immense satisfaction pour moi, pour tous les gens qui m'ont poussé et qui m'ont aidé dans cette préparation olympique et surtout pour le BMX français. Oui, ça fait très plaisir de remporter la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. En plus, le sport, c'était pour la première fois que le BMX était aux Jeux, donc ça fait très plaisir de rentrer dans l'histoire, même si je m'en rends pas vraiment compte, quoi. C'est qu'on m'en parle beaucoup, donc ça fait plaisir pour la discipline, parce qu'on en parle beaucoup à la télé, dans les médias, on est beaucoup sollicité, donc ça fait vraiment plaisir pour le sport, et puis pour moi aussi, et pour toute ma famille. En fait, j'ai fait 10 années de BMX quand j'étais toute jeune, et puis je suis passée au VTT descente, où j'ai gagné beaucoup de médailles, et j'étais en pré-retraite, je commençais à me calmer. Et l'entraîneur national du BMX est venu me demander si ça ne me tentait pas d'essayer de refaire du BMX pour justement me qualifier au jeu. Et sur le moment, j'avais dit non. Et je suis revenue le voir en novembre 2006, donc il y a à peine 2 ans. Simplement parce qu'en fait, autour de moi, il y a trop de gens qui m'ont dit essaye quoi, tu peux pas. Si, quand tu seras plus âgé, tu vas regretter de ne pas avoir au moins tenté de participer au jeu. Et donc ils m'ont convaincu et puis je me suis laissé prendre au jeu. Et en tout cas, j'ai tout donné, j'ai vraiment tout sacrifié pendant 2 ans. Je me suis investi à 1000% et ça a payé avec cette médaille. Et c'est génial. J'étais très émue, je pensais pas à grand chose, je pensais juste au moment présent que ça me faisait très plaisir d'être sur la deuxième marche. J'ai profité de regarder un petit peu partout comment c'était. Je me suis pas dit dans 4 ans je remets ça. Non, là, c'est 2008, 2012, c'est dans longtemps, c'est dans 4 ans. Ça fait long, en même temps court, mais pour l'instant, je vis le moment présent. Même si c'est pas à haut niveau et en tant que compétitrice, et c'est important que je sois là et que je montre qu'on n'est pas des extraterrestres, quoi. C'est pas parce qu'on a une médaille autour du cou qu'on est différent et que c'est assez accessible à tout le monde.